toi, ô Éternel. Magnifique en sainteté, digne de louange et opérant des prodiges. Personne, tu es le seul, l'unique, le véritable Dieu, le roi majestueux, le glorieux. Ah, nous désirons ta kavod, nous désirons ta gloire, la nuée de gloire sur nos vies. Nous désirons ta gloire comme Moïse. Hallelujah. Kabod.
Ta gloire, Kabod.
Oh, nous désirons ta gloire. Ta gloire. Père, nous désirons ta gloire dans nos vies. Ta gloire. Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. C'est avec beaucoup de joie et d'empressement que je souhaite laisser ce message qui trouvera, je l'espère, un écho dans votre cœur. Bien que l'impact et l'émission de la tour de prière Summer ne soient plus approuvés, mais qu'au contraire, ils soient appréciés de tous. Nous souhaitons aujourd'hui réaliser un projet fort, ouvrir une maison de prière. Une maison de prière pour tous les peuples sans distinction. Une maison de prière où la prière est au centre de toutes nos actions. Une maison de prière où les enseignements sont donnés dans toute la vérité biblique. Une maison de prière où la communion fraternelle est librement exprimée. En ces quelques points, chers bien-aimés dans le Seigneur, ne sont qu'un avant-goût de tout ce que cette maison de prière pourra offrir au plus grand nombre d'entre nous. Pour l'heure, notre engagement trouve ses limites dans le financement. Je me permets donc de solliciter votre bienveillance, votre considération et votre soutien financier et matériel. Je vous remercie d'avance de l'intérêt et de l'investissement que vous engagerez dans ce projet. Aimer, c'est aussi donner. Que le Dieu de toute grâce vous comble de sa richesse et de sa gloire dans le précieux nom de son Fils Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis. Shalom. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous fortifie. Shalom, shalom à la grande famille internationale, que la paix du Seigneur soit votre partage dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce soir? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, nous acclamons le Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau de Dieu. L'agneau immolé, alléluia, qui nous a rachetés pour Dieu. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur parce que l'Éternel Dieu est fidèle. Alléluia. L'Éternel Dieu est lent à la colère et riche en bonté. Nous bénissons grandement le Seigneur car il permet que nous puissions encore être devant sa présence. Et devant sa présence, nous trouvons réellement notre joie, notre refuge, notre sécurité, notre demeure. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur ce soir. Alors, frères et sœurs, avant que nous puissions commencer, si réellement tu peux donner ton offrande en aimant simplement la vidéo, gloire au Seigneur et l'Éternel Dieu sera content de toi. Et tu vas marquer un point, alléluia, dans le livre des souvenirs. Amen, amen. Gloire au Seigneur, car la Bible déclare « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs et qui ne s'assied pas accompagné de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Alléluia. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne s'effétrit point. Alléluia. Tout ce qui lui est fait, lui réussit. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Nous acclamons le Seigneur et nous bénissons notre Père. Alors, frères et sœurs, ce soir, nous voulons cheminer, nous voulons progresser, nous voulons abandonner notre nuit, notre soirée entre les mains de Dieu. Parce que vous savez, c'est l'Éternel Dieu qui en est l'auteur de nos vies. Nous devons abandonner tout ce que nous avons, frères et sœurs. Voilà, aujourd'hui, l'Éternel t'a fait grâce d'aller
au travail. L'Éternel t'a fait grâce d'aller quelque part. L'Éternel t'a fait grâce de faire quelque chose dans ta vie, de créer un miracle dans ta journée. Et aujourd'hui, Dieu nous permet encore que nous puissions être dans sa présence. Voilà pourquoi nous allons abandonner, nous allons recommander, nous allons laisser notre nuit entre les mains du Seigneur. Et que la sécurité divine, la sécurité de Dieu nous soit réellement accordée. Amen. Tu recommandes ton sort à l'Éternel et tu fais de lui réellement la confiance. Fais de lui la confiance. Mets en lui plutôt la confiance et tu verras, il va agir dans ta vie. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je vais prier le Seigneur pour commencer ce moment. Gloire au Seigneur, shalom, shalom à toute la famille de partout où vous êtes. Que la paix du Seigneur, que la joie du Seigneur soit votre partage. Je vais simplement vous dire, avant que je puisse prier, je vais vous donner pour le communiqué. Dimanche, nous aurons notre culte de famille. Donc, il y aura simplement un seul culte. Alors, je vous prie de bien vouloir vraiment être là, parce que nous allons aussi prier pour les familles. Nous allons encore décréter des paroles merveilleuses, des paroles de bénédiction, des paroles qui donnent la force, alléluia, dans notre esprit. Amen, amen, amen. Et demain, ce sera le vendredi, ça sera notre premier vendredi du mois. Nous proclamons, alléluia, nous avons notre déclaration prophétique. Frères et sœurs, peut-être tu peux minimiser, peut-être tu peux dire que non, ah, j'ai déjà participé dans la déclaration. Bon, de toutes les façons, je connais le pasteur. Ce n'est pas le pasteur. Quand tu es dans cette étape-là, frères et sœurs, tu es en train de passer outre. Tu es en train de louper ta bénédiction. Tu dois comprendre que tous les jours, l'Éternel nous bénit. Tous les jours, l'Éternel prépare des bonnes choses pour nos vies. Tous les jours, l'Éternel réellement renouvelle sa bonté. Voilà pourquoi, frères et sœurs, la Bible déclare, c'est ici que la journée de l'Éternel qu'elle a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Pourquoi? Parce que c'est l'Éternel qui fait en nous le vouloir et le faire. C'est l'Éternel Dieu qui nous donne le meilleur que nous avons. C'est l'Éternel qui dit un mot dans notre vie et notre vie change. C'est pour cela, frères et sœurs, ne faut pas prendre ça à la légère. Ah, c'est la déclaration prophétique. Ah, ce n'est pas, ça me concerne pas. Ça concerne peut-être les gens qui ont des problèmes. Non, frères et sœurs, tu te trompes. Nous devons comprendre que quand Dieu parle, il parle tantôt d'une manière, d'une autre. Il dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Parce que la nature aussi doit nous enseigner. Et si la nature nous enseigne, c'est Dieu prend réellement la considération, c'est-à-dire met l'accent sur la nature, à combien plus forte raison dans son oin. Alléluia, sur son oin. L'Éternel Dieu bénit réellement son peuple par son oin. Alléluia, gloire à Dieu. C'est pour cela, frères et sœurs, nous devons être là demain à partir de 17h pour l'intercesseur. Nous tous, nous sommes conviés parce que nous sommes les intercesseurs. Nous devons intercéder avant que nous puissions commencer la déclaration. Frères et sœurs, je n'ai jamais vu une mère avant de préparer les légumes ou l'haricot, il va directement mettre l'haricot dans la marmite. Non, je crois qu'elle va d'abord préparer, elle va d'abord nettoyer l'haricot, nettoyer les légumes, nettoyer d'abord même la viande, elle va pouvoir nettoyer avant qu'il puisse mettre ça dans le feu. Pour dire ceci, que nous devons préparer réellement le culte, nous devons préparer réellement tout ce que nous faisons. Parce que lorsque nous préparons pas dans la prière, l'Éternel Dieu acte de cela. L'Éternel de Dieu valide cela. L'Éternel Dieu prend compte de cela. L'Éternel Dieu entend. Alléluia. Car nous devons savoir que la prière ne pourrit jamais. La prière ne pourrit absolument pas, frères et sœurs. Et ce soir,
Ce soir, nous allons dédier notre nuit et que notre nuit soit réellement dans la sécurité divine. Frères et sœurs, tu peux bon penser que non, demain je vais me réveiller. Mais vous savez, celui qui garde la vie, il ne sommeille ni ne dort, il s'appelle l'Éternel des armées. Nous devons nous abandonner à lui. Nous devons nous confier réellement à l'Éternel des armées. Nous devons réellement fixer le regard sur lui. Et lorsque nous fixons le regard sur lui, nous sommes rayonnants de joie. Nos visages ne se couvrira point de la honte. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est pour cela, frères et sœurs, je vous en conjure par l'amour du Seigneur, par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu, que nous puissions être là demain. Frères et sœurs, il ne faut pas dire, ah bon, moi, j'ai mes occupations, je dois aller faire le shopping. Frères et sœurs, avant que tu puisses aller faire le shopping, viens d'abord recevoir la bénédiction. Viens d'abord recevoir la main de Dieu. La main de Dieu, alléluia, est disponible pour que tu puisses encore aller de l'avant. Amen, amen, amen. Quelqu'un qui a été béni par Dieu, je crois qu'il va encore retourner à nouveau pour pouvoir être encore béni. Amen. Parce que c'est l'Éternel Dieu qui bénit et sa bénédiction ne s'est fait suivre d'aucun chagrin. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut aimer la vidéo, frères et sœurs? Alléluia, j'insiste là-dessus. Est-ce qu'on peut réellement aimer la vidéo pour pouvoir donner l'accès à une autre personne de pouvoir regarder aussi la vidéo. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous sommes encore, alléluia, dans la moitié, alléluia, de j'aime. Nous devons vraiment tous ensemble, comme un seul homme, que nous soyons unis, que nous puissions posséder une même pensée, un même esprit. Alléluia. Parce que nous sommes réellement le temple de Dieu. Nous sommes un corps. Alléluia. Dans le corps. Le corps universel. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Hosanna, hosanna, hosanna. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Shalom, shalom à toute la famille. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Je vais prier le Seigneur pour que nous puissions commencer ces temps de prière. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Louange. Louange. Gloire. Alléluia. Louange. Gloire. Alléluia. Louange, gloire, alléluia, que tout soit pour Jésus, honneur, honneur, gloire, alléluia, honneur, gloire, alléluia, honneur, gloire. Alléluia, que tout soit pour Jésus, que tout soit pour Jésus. Louange, gloire, alléluia, alléluia, gloire, louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia, que tout soit pour Jésus, que tout soit pour Yahweh, que tout soit pour le roi de gloire, que tout soit pour Jésus. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur. Alléluia, nous bénissons le Seigneur. Tendre Père, nous te bénissons ce soir. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette nuit. Que tu permets que nous puissions venir devant ta présence. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur. Nous venons, Seigneur, t'offrir, Seigneur, ô Dieu de parfum, de bonne odeur, de ce que tu as fait, de ce que tu feras, de ce que tu es en train de faire.
Que ton nom soit béni, Seigneur, pour ta sécurité divine dans notre vie. Que ton nom soit glorifié, Éternel des armées, pour tout ce que tu es en train de penser, Seigneur, de réaliser pour notre futur. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Tendre Père, éternel Dieu, merci Père pour ce temps merveilleux. Nous sommes à notre deuxième jour, Seigneur de gloire, du mois de septembre. Et nous savons, Seigneur Dieu de gloire, Père, c'est toi qui en es le contrôle, Seigneur. C'est toi qui en es l'auteur de nos vies. Et c'est toi qui contrôle toutes les choses, Seigneur. Éternel, béni soit ton nom ce soir. Nous te sommes reconnaissants. Alors que nous venons devant toi, Seigneur, je prie, Seigneur, de pouvoir pardonner. Je prie, Seigneur, de pouvoir pardonner, Seigneur, nos cœurs. Pardonne nos petitesses. Pardonne-nous, Seigneur, ô Dieu. Toutefois, nos actes n'ont pas été, Seigneur, ce qu'il aurait dû être, Seigneur. Éternel, je te prie ce soir, ô Dieu, que ta miséricorde puisse couler dans nos vies. Que ta bonté, Seigneur, puisse demeurer dans nos vies. Tendre Père, et Seigneur Dieu, nous savons que Seigneur, c'est toi notre appui. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te confions cette nuit, nous te confions ce temps de prière, nous te confions le frère et soeur, nous te confions, Seigneur, de gloire, la tour de prière semeur. C'est une grande famille, Seigneur, que toi, Seigneur, tu nous as donné. Manifeste de ta grâce dans les noms de Jésus. Éternel Dieu de gloire, paix, et que ton sang qui a été coulé sur la croix puisse nettoyer, puisse laver, puisse purifier nos cœurs, puisse purifier notre expression, notre locution, notre langage, notre Seigneur intérieur de nous, Seigneur. Oh, je te prie ce soir, éternel, purifie nos cœurs, purifie nos corps, Seigneur. Lave-nous par le sang de l'agneau, afin que nous soyons irrépréhensibles, afin que nous soyons dignes devant ta présence. Seigneur Dieu de gloire, regarde, la bouche qui parle beaucoup ne manque pas à pécher. Je te prie ce soir de pouvoir nettoyer nos bouches, de pouvoir nettoyer nos pensées par le sang précieux. Parce que le sang de l'agneau enlève l'abomination. Le sang de l'agneau enlève les fautes. Voilà pourquoi, Seigneur de gloire, la Bible déclare, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous te prions ce soir d'ôter le péché dans nos cœurs. Enlève le péché, enlève les mauvaises pensées qui peuvent venir, Seigneur de gloire, pour nous affaiblir, qui peuvent venir pour nous décourager, Seigneur. Je te prie ce soir que le sang de l'agneau puisse parler à notre faveur, parce que je sais que le sang de l'agneau parle mieux que celui d'Abel. Je te prie ce soir, mon Père, de laver, de nettoyer, et que ce temps, Seigneur, soit un temps, et que ce temps soit réellement riche, et que ce temps soit réellement bénéfique au nom puissant de Jésus. Oh Dieu de gloire, que le Saint-Esprit domine sur nous, que le Saint-Esprit apprivoise nos cœurs, que le Saint-Esprit arrose nos vies ce soir, que le Saint-Esprit puisse nous dicter, que le Saint-Esprit puisse nous orienter sur la voie de Christ dans le nom de Jésus. Nous voulons recommander ce temps entre tes saintes mains et nous abandonnons tout au Dieu, et que tu règnes et que tu domines, parce que tu es l'Éternel qui domine le ciel et la terre. Que ton nom soit béni dans les noms puissants de Jésus. Nous t'avons su prier avec action de grâce et nous te disons Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire aux Hosanna, 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 Hosanna. Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Réchalom à vous, Réchalom, Réchalom. Peut-être tu attendais d'entendre la voix de la prophétesse, mais l'Éternel a fait autrement. Amen, amen. Aujourd'hui, tu ne vas pas entendre la voix de la prophétesse. Gloire à Dieu, tu vas entendre la voix du pasteur. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen, amen. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Amen, amen, amen. Et l'homme ne prend pas garde. Pourquoi? Parce qu'il veut aller dans ses opinions. Il veut aller selon lui. Or, nous devons être selon l'Esprit de Dieu. Nous devons être conduits selon l'Esprit de Dieu. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Alors, nous sommes dans notre temps de prière. Frères et sœurs, avant que nous puissions commencer à prier, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire trois portions de l'Écriture. La parole du Seigneur, nous allons commencer par Psaume chapitre 4. Alléluia, chapitre 4. Psaume chapitre 4, au verset
Au verset 9. Alléluia, au verset 9. Dans d'autres versions, c'est au verset 8. Mais dans ma version, c'est verset 9. Gloire à Dieu, nous allons lire dans Psaume chapitre 4, verset 9. Dans d'autres versions, c'est 8. Mais dans ma version que j'ai, c'est 9. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Je répète encore. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Alléluia. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, nous devons comprendre que nous allons recommander cette nuit et que la sécurité divine, la sécurité de Dieu puisse nous envelopper. Frères et sœurs, c'est bien de dormir, mais avant tout, tu dois recommander la nuit entre la main de Dieu. C'est beaucoup mieux de recommander ton sommeil entre la main du Seigneur pour que la sécurité de Dieu soit réellement ton partage dans le nom de Jésus. Amen. Il dit ceci, « Je me couche, je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité. » C'est-à-dire, la personne qui se confie à l'Éternel. La personne, avant tout, il met d'abord Dieu en première position. La personne, avant tout, il met d'abord l'Éternel des armées. Dans tout ce qu'il va faire, il dit, je mets d'abord Dieu. Et lorsque tu positionnes Dieu en première position et tu mets tes priorités, c'est Dieu, frères et sœurs, tu peux dire maintenant, je me couche. Et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité. Amen. Frères et sœurs, ici donc nous devons comprendre. Tu ne peux pas dire, voilà, parce que j'ai des gardes-corps tout autour de moi, devant ma maison, j'ai des gardes-corps, j'ai payé des gens de sécurité, j'ai des alarmes, j'ai des caméras plutôt de surveillance, ils vont bien surveiller. Frères et sœurs, détends-toi, parce que la personne qui garde, la Bible déclare, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui travaillent, travaillent en vain, ceux qui veillent, veillera réellement en vain, frères et sœurs. C'est pour cela, ce soir, nous allons recommander notre nuit entre les mains du Seigneur, et que la sécurité divine nous soit réellement accordée. Frères et sœurs, la sécurité divine là, tu ne peux pas voir ça avec tes yeux physiques, mais tu peux voir ça avec les yeux spirituels. Tu peux comprendre que l'Éternel est ma bannière, l'Éternel est ma protection. Pourquoi? Parce que tu le vois dans les yeux spirituels. Amen. Parce que c'est le spirituel qui ramène le physique. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, frères et sœurs, tu dois comprendre que ta vie doit baser par la parole. Ta vie doit résider sur la parole de Christ, sur la parole de Dieu. Frères et sœurs, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. En d'autres termes, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est la parole qui vit en toi. Alors, comme c'est la parole qui vit en toi, frères et sœurs, tu vas recommander chaque moment, chaque épisode, chaque saison, chaque temps entre les mains de Dieu. Frères et sœurs,
Même si tu vois que non, il y a un problème, même si tu traverses des moments difficiles, même si tu traverses des moments de bonheur, et je te souhaite que tu puisses traverser des moments de bonheur, des moments de grâce, des moments de témoignage dans ta vie au nom de Jésus. Enfin, que tu puisses savoir réellement que la personne qui me donne ce bonheur, il s'appelle Giovannissi. Il s'appelle Jova Chikenu, il s'appelle Maranatha, il s'appelle l'éternel Dieu des armées. Amen. Gloire à Dieu, frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il y a une personne, il dit à sa famille, à demain, nous allons nous voir. Et le lendemain, la personne ne s'est pas réveillée. Frères et sœurs, c'est pour dire simplement que nous devons nous abandonner entre les mains du Seigneur. Nous devons nous abandonner, frères et sœurs, et que ta vie soit entre les mains de Dieu. Et que ta famille soit entre les mains de Dieu. Et que tes enfants soient entre les mains de l'Éternel des armées. Alléluia. Amen, 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 amen. Écoutez encore, frères et sœurs, Job qui est en train de dire cette merveilleuse parole. Nous allons lire dans Job chapitre 11 au verset 19. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Job chapitre 11 au verset 19. Écoutez ce que Job dit. Alléluia, je vous mets sur l'écran. La Bible déclare, tu te coucheras sans que personne ne te trouble. Waouh! Et plusieurs casseront ton visage. C'est-à-dire, les anges vont camper sur toi. C'est-à-dire, l'Éternel des armées va envoyer de la protection divine. Va envoyer, alléluia, la sécurité divine dans ta vie. C'est pour cela que la Bible déclare, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent, alléluia, et les arrache du danger. Frères et sœurs, tu te coucheras sans que personne te trouble. Et que ta nuit, et que ton sommeil, et que réellement ton temps de repos soit réellement paisible. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu va envoyer les anges qui vont te garder. Et plusieurs caresseront ton visage, c'est-à-dire protégeront, c'est-à-dire garderont. Ils vont garder ton visage, ils vont protéger ta vie, ton sommeil, au lieu de passer des nuits blanches, mais toi tu seras dans la réjouissance parce que tu as recommandé ta nuit entre les mains de Dieu. Frères et sœurs, tu ne peux pas dire que non, ah, ça suffit, j'ai beaucoup prié. Là maintenant, je vais simplement faire dormir comme ça. Ou je ne vais pas prier. Frères et sœurs, la prière ne pourrit jamais. Mettez cela en tête. La prière ne pourrit absolument pas. La prière ne pourrit absolument pas. La prière ne pourrit jamais. La prière, frères et sœurs, c'est comme l'eau. L'eau ne pourrit jamais. Amen, amen, amen. Tu peux boire de l'eau. L'eau est toujours agréable, frères et sœurs. L'eau va toujours aller dans notre organe, alléluia, du corps, pour nous entancher réellement la soif. Mais frères et sœurs, tu peux boire du jus. Tu peux boire du jus. Tu peux boire le coca. Tu peux boire le Fanta. Tu peux boire toutes les boissons possibles. Mais à la fin des comptes, tu auras toujours besoin de boire de l'eau. À la fin des comptes. Pour dire, frères et sœurs, Dieu est primordial, Dieu est capital, Dieu est réellement essentiel dans notre vie. La sécurité de Dieu pour nos enfants, la sécurité de Dieu pour nos familles, la sécurité de Dieu pour notre couple, la sécurité de Dieu pour notre sommeil. Alléluia. Tu te coucheras sans que personne ne te trouble, frères et sœurs. Quelle parole! Et je prie ce soir, et que lorsque tu vas te coucher, que personne ne pourra te nuire dans le nom de Jésus. Parce que tu es dans la couverture divine, parce que tu es dans la sécurité divine, parce que tu es dans la ceinture de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Frères et sœurs,
Nous devons comprendre que Dieu nous aime. Nous devons comprendre que Dieu nous aime. C'est pour cela qu'il envoie toujours sa parole. Lorsqu'il envoie sa parole, c'est cette parole-là pour aller vraiment restaurer les vies. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors nous allons encore lire un passage et puis nous allons prier le Seigneur. Nous allons lire encore dans Psaume, frères et sœurs, chapitre 91. À partir du verset 5 au verset 6, psaume 91, je vous le mets à l'écran. Voilà, la Bible déclare ceci, au verset 5 jusqu'au verset 6. Gloire à Dieu. La Bible déclare ceci, « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. » Frères et sœurs, pourquoi? Parce que tu mets Dieu en première position. En d'autres termes, parce que Dieu devient maintenant ton ombre. Dieu devient maintenant ta protection, ta couverture. Nous devons savoir, frères et sœurs, même si quand tu passes des moments difficiles où tu es malade, où tu sens quelque chose qui ne va pas dans ton corps, frères et sœurs, il ne faut pas aller directement chez le médecin. Commence d'abord à appeler la sécurité de Dieu. Commence d'abord à invoquer l'Éternel des armées. Commence d'abord à inviter la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Frères et sœurs, car le Saint-Esprit qui intercède au-dedans de nous par des soupirs inexprimables, c'est-à-dire il va intercéder. Le Saint-Esprit va intercéder pour toi, pour ta situation. Quand il voit que non, il y a un « ça ne va pas », il y a un « couac » dans ton corps, le Saint-Esprit va intercéder. Il va dire « mon Père, là, ici, là, il y a un problème. Là, ici, il y a un problème. Il y a quoi ?» Parce qu'il est le temple de Dieu. Il est le temple là où la plénitude de Dieu va habiter. Alors, il faudra arranger maintenant la situation. Tu vas voir. Dès lors, tu as invité le Saint-Esprit, tu as invoqué Dieu et Dieu va venir. Dieu va envoyer, au fait, Dieu va dépêcher ses anges pour travailler. Je donne un exemple. Vous n'avez pas le chauffage. Alléluia. Vous n'avez pas le chauffage et vous allez appeler... vous allez appeler quelqu'un qui va venir pour réparer, le réparateur. Le réparateur, quand il va venir, il va constater, oui, il y a un ça ne va pas. Il va pouvoir maintenant vous dire, voilà, il faut qu'on change des pièces de rechange. C'est-à-dire, il viendra pour changer des pièces de rechange. Après avoir changé des pièces de rechange, et voilà, maintenant, il y a le fonctionnement sur votre chauffage. Pour dire ceci, l'Éternel des armées, comme il dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? La nature, c'est-à-dire, quand vous voyez le gens là, le réparateur là, venir chez vous à la maison pour réparer le gaz, réparer la chaudière, réparer réellement, mes frères et sœurs, quoi que ce soit dans votre maison, à combien plus forte raison l'Éternel des armées? À combien plus forte raison l'Éternel des armées? Parce qu'il ne ment jamais. Il est toujours là. Il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Frères et sœurs, nous devons mettre Dieu en première position. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Frères et sœurs, là, dans ce moment-là, ici, là, dans ce moment ici, il y a maintenant le vaccin. Il y a le vaccin qui fait le ravage, qui tue les gens. Il y a aussi la pandémie qui est en train de ramener des personnes dans des questionnements. Mais comment on va faire pour retrouver la vie d'avant? Comment on va faire? Frères et sœurs, comment on va faire? C'est-à-dire, je dois fixer le regard sur Dieu. Je dois appeler Jéhovah Nissi. C'est lui qui avait envoyé le feu dans le peuple d'Élie. Élie était devant tout le monde. Devant les prophètes de Baal. Mais lorsque Élie avait invoqué, en d'autres termes, Élie avait la confiance totale en Dieu. Et Dieu s'est manifesté puissamment en descendant le feu. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Frères et sœurs, nous devons baser sur Dieu. Nous devons comprendre. Et il y a des moments aussi,
tu vas voir que non, tu invoques Dieu, mais tu vois comme si Dieu ne te répond pas. Frères et sœurs, sois calme. La Bible déclare ceci. Quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte pour aller maintenant à la terre promise, et la Bible déclare, ils sont en train de voir les Égyptiens qui venaient avec les chars de Pharaon, tout le monde. Ils commençaient à paniquer. Mais la Bible déclare que Moïse, prenant la parole pour dire, il dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Plus jamais, frères et sœurs. Pour dire, même tu sens peut-être ton corps est malade, tu sens peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais sache-le que l'Éternel aujourd'hui va te sécuriser. L'Éternel aujourd'hui a décidé que non, tu ne verras plus ça. Tu ne vivras plus cette injustice au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, frères et sœurs. Nous devons comprendre que non, il est temps. Il est temps pour nous que nous puissions dormir, alléluia, paisiblement, dans la paix totale. Amen, amen, comme un bébé dans un berceau. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tu ne craindras ni la terreur, ni la flèche qui vole en plein jour. Alléluia. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, frères et sœurs. Toi, tu es caché en Dieu. Toi, tu dois être caché en Dieu. Alors, je lance un appel pour ceux-là qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. C'est le moment, frères et sœurs, parce qu'en dehors de Christ, il n'y a point la vie. En dehors de Christ, frères et sœurs, c'est l'injustice, c'est le chaos, c'est le poisonnement, frères et sœurs. Tu seras demi-mort, mais Dieu ne veut pas que tu sois demi-mort, quoi que tu marches, mais que tu sois vivant. Alléluia. Car Christ, quand il est en nous, frères et sœurs, nous avons la vie. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Pendant que tu es en train de fixer le regard sur Dieu, pendant que tu es en train de parler à Dieu, pendant que tu es en train d'invoquer Dieu, Dieu finira toujours par descendre. Dieu finira toujours par envoyer un ange. Un ange viendra vers toi pour te dire réellement, Dieu a agréé tes prières. Pourquoi? Parce que tu es dans l'ombre de Dieu. Tu dois être dans l'ombre de Dieu. C'est pour cela, le psalmiste dira ceci, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Celui qui demeure, donc c'est-à-dire la personne qui demeure, c'est-à-dire la personne qui a la confiance absolue. Alléluia. Advienne que pourra. Il a la confiance totale. Tu ne peux pas brader sa foi. Tu ne peux pas brader réellement sa relation avec Dieu. C'est à ces moments-là, frères et sœurs, tu ne craindras ni la terreur, ni la flèche qui vole en plein jour. Ni tu ne tiendras rien du tout. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec toi. Sa houlette et son bâton te rassurent. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Tu peux traverser des moments difficiles. Mais tu sais que Dieu est à côté. Dieu est avec toi. Même si tu traverses des moments difficiles. Et dis, cette maladie-là, ce n'est pas pour la mort. Ah, cette situation-là, ce n'est pas pour la mort. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Puisse se manifester davantage. Mais Seigneur, pourquoi cet enfant est né aveugle? C'est quoi? C'est ses parents qui ont péché? C'est qui alors? C'est lui-même ou comment? Il dit ça, c'est pour la gloire de Dieu, frères et sœurs. Il y a des moments, frères et sœurs, que tu traverses. Il y a des moments de trouble. Il y a des moments où tu passes des moments vraiment très, très difficiles. C'est pour la gloire de Dieu, pour que tu saches que non, tu as un Dieu puissant. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu dois comprendre que les épreuves que tu es en train de subir ou de passer, c'est pour la gloire de Dieu. La nuit que tu vas passer là, c'est pour la gloire de Dieu. C'est manifeste. Demain matin, tu te réveilles, alléluia, en bonne santé. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu est passé par là. L'Éternel Dieu a dépêché ses anges pour te donner la force, pour te donner réellement sa puissance. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors sans plus tarder, frères et sœurs, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia, tu coucheras. Alléluia, tu te coucheras sans que personne te trouble. Et plusieurs caresseront ton visage. Alléluia. C'est, cela veut dire quoi?
Pendant qu'ils sont en train de caresser ton visage, c'est les anges qui vont enlever maintenant la honte, qui vont enlever l'opprobre, qui vont enlever, alléluia, les choses que Dieu n'avait pas mis en toi. Amen. Ils vont enlever la colère, ils vont enlever la médisance, ils vont enlever le complot démoniaque, satanique, le sort qu'on t'a jeté. Mes frères et sœurs, la Bible déclare l'Éternel est Dieu, l'Éternel est combattra pour nous. L'Éternel combattra pour nous et nous, nous devons garder le silence. Amen, amen, amen. L'Éternel combattra pour nous et nous devons garder le silence. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Soyez bénis, soyez bénis. Alléluia, je bénis le Seigneur. Alléluia, pendant que, alléluia, la parole tombait. Alléluia, Annie, que tu as donné ton offrande. Que le Seigneur te bénisse richement et que cette offrande soit multipliée au nom de Jésus. Amen, amen, amen. L'Éternel aime les gens des fois comme ça. Alléluia, quand la parole sort, tu es en train de s'aimer quelque chose et l'Éternel Dieu prend acte de cela. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Hosanna. Amen. Alors nous allons prier le Seigneur ce soir. Nous allons prier le Seigneur. Hosanna. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange, alléluia, que tout soit pour Jésus. Honneur et gloire, alléluia. Dieu, gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alors, tu vas remercier le Seigneur ce soir pour cette parole. Alléluia, cette parole que Dieu nous donne. Cette parole que nous devons comprendre que la sécurité de Dieu est notre partage. Tu vas simplement rendre gloire en disant, Seigneur, je te loue ce soir pour ta parole de sécurité, pour ta parole, Seigneur, qui me donne encore la confiance, Seigneur, que tu es avec moi. Prions le Seigneur. Alléluia. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Éternel des armées, notre Père, nous te bénissons ce soir. Merci encore, ô tendre Père, car tu as accompli, Seigneur, des exploits dans nos vies. Merci, tendre Père, pour la sécurité divine dans nos vies. Merci, Seigneur, pour cette parole qui nous donne, Seigneur, ô Dieu Père, la foi, qui nous met encore, Seigneur, en confiance, Seigneur, à ta parole. Que toute la gloire te soit redonnée. Que toute la gloire, Seigneur, te soit rendue. Reçois l'honneur, reçois la gloire dans le nom de Jésus. Mon âme te loue, Seigneur. Mon âme te bénit, Seigneur, Dieu de gloire. Béni soit ton nom parce que tu es le Dieu puissant. Béni soit ton nom parce que tu es le Saint-Majesté. Louange, célébration à ton nom, Seigneur. Merci, tendre Père éternel. Parce que la Bible me dit, Seigneur, tu ne sommeilles ni ne dors. Parce que la Bible me dit, Seigneur de gloire, c'est toi qui gardes la ville, Seigneur. Oh Dieu, c'est toi qui gardes Israël. Israël, c'est moi, Seigneur. Que ton nom soit béni. Louange à ton nom, Seigneur. Je viens te louer, Seigneur, pour cette sécurité divine. Je viens te louer, Seigneur de gloire, pour cette parole, Seigneur, oh Dieu, qui me donne la confiance, Seigneur, oh Dieu de gloire, de fixer le regard sur toi. Béni soit ton nom dans le nom de Jésus. Louange à ton nom, Seigneur. Oh, reçois l'honneur, reçois la gloire qui t'est due, Seigneur. Mon âme soupire, mon âme t'élève, mon âme t'exalte, mon âme te chante, Seigneur. Mon âme, Seigneur, de gloire, Père, t'adore. Reçois l'honneur, Seigneur, parce que tu es toi qui ramènes la sécurité dans la ville. C'est toi qui ramènes la paix dans mon cœur. Reçois l'honneur qui t'est dû dans le nom de Jésus. À toi soit la gloire au siècle des siècles. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié avec action de grâce. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Hosanna, hosanna, hosanna. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur.
Il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours, sa fidélité durera toujours, son amour durera toujours, son amour durera toujours, sa compassion durera toujours, sa compassion durera toujours, sa miséricorde durera toujours, sa miséricorde durera toujours, sa bonté durera toujours, sa bonté durera toujours, sa fidélité durera toujours, sa fidélité durera toujours. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Frères et sœurs, nous allons prier le Seigneur ce soir. Nous allons demander pardon. Alléluia, nous allons demander pardon. Frères et sœurs, nous devons savoir que l'Éternel est compatissant et lent est riche en bonté et lent à la colère. Lorsqu'il nous fait du bien, mes bien-aimés dans le Seigneur, il ne regarde pas que non, hier tu avais fait du péché, hier tu avais commis tel crime, mais il nous fait réellement grâce, Seigneur, notre Dieu, il nous fait grâce, pourquoi? Parce qu'il voit l'œuvre de la croix. Alors nous allons demander pardon à Dieu, frères et sœurs, nous allons demander pardon à Dieu, que Dieu puisse nous pardonner, enfin, avant que nous puissions dormir, que nous soyons propres devant lui, et que nous soyons irrépréhensibles devant lui, et que nous soyons sans tâche devant lui, et que nous soyons réellement correctes, et pour cela nous allons demander pardon, car lui-même il dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, venez à moi, vous qui n'avez point de repos, je vais vous donner du repos. Et venez à moi, venez acheter du lait, venez acheter réellement sans pourtant payer de l'argent. Frères et sœurs, nous allons demander pardon à Dieu. Il est juste et fidèle pour nous pardonner de tout mal, de tout péché. Peut-être garder quelque chose depuis ton enfance, depuis des années. Peut-être pendant cette journée, quelqu'un qui t'a fait du mal, mais jusqu'à présent, tu n'arrivais pas à l'écarter dans ton cœur. Frères et sœurs, c'est le moment où nous allons demander pardon, que Dieu puisse nous pardonner de tout mal. Prions le Seigneur en disant simplement: Seigneur, pardonne mes péchés, pardonne-moi, pardonne mes fautes. Je ne vais pas dormir en ayant le péché dans mon cœur. Je te prie ce soir de m'enlever, de me pardonner réellement tous mes péchés. Frères et sœurs, lorsque nous avouons nos péchés et nous délaissons, nous obtenons réellement sa miséricorde. Alléluia, prions le Seigneur. Tendre Père, nous venons devant toi ce soir. Alors que nous venons devant toi, ô Dieu, nous te prions, Seigneur, de nous pardonner. Pardonne-nous, Seigneur, nos offenses. Pardonne-nous, Seigneur, de gloire, Père, nos maladresses. Pardonne-nous, Seigneur, de gloire, Père, nos façons de parler, nos façons d'agir. Seigneur, je te prie, Seigneur, je ne vais pas avoir de péché dans mon cœur. Je ne vais pas garder des rancunes. Je ne vais pas garder la haine. Je ne vais pas garder, Seigneur, des choses, Seigneur, abominables dans mon cœur. Je te prie, ce soit mon Père, de me pardonner. Pardonne mon cœur, pardonne ma vie, Seigneur. Me voici devant toi, Seigneur. Je suis, Seigneur, devant ta présence pour dire: vois ma cause. Pour dire, Seigneur, vois mon cas. Pour dire, vois mon cœur. Pour dire, vois mon esprit. Je t'en prie, mon Père, toi qui connais ma vie, Seigneur, je t'en prie ce soir, ô Dieu, de me pardonner. Pardonne-moi par ton amour divin. Pardonne ma vie, Seigneur. Pardonne
pardonne mes enfants, pardonne ma maison, pardonne-moi, Seigneur. Je te prie, éternel Dieu de gloire, depuis le matin, Seigneur, Dieu de gloire, paix, je réalise, Seigneur de gloire, paix, des choses, je réalise, Seigneur, ce que je puis penser, ce que je puis regarder, Seigneur, qui n'était pas agréable à toi. Je te demande pardon, pardonne mon cœur, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, oh Dieu, je ne vais pas dormir, Seigneur de gloire, paix, avec beaucoup de péchés, je ne vais pas dormir, Seigneur de gloire, avec, Seigneur de gloire, des situations compliquées. Je te prie, Seigneur, mon roi, de me pardonner, Seigneur, par ton amour, parce que tu es Dieu d'amour. Je te prie ce soir, éternel, je ne veux pas, Seigneur de gloire, être, Seigneur, sale devant ta présence. Voilà pourquoi je crie à l'aide, voilà pourquoi je crie à toi, Seigneur. Oh, mon Père, vois ma vie ce soir, vois mon cœur ce soir, toi qui connais ma vie, toi qui connais mon cœur, Seigneur, oh Dieu de gloire, Père, ne me laisse pas dans le péché, ne me laisse pas, Seigneur, dans l'alcool, ne me laisse pas dans le mensonge, ne me laisse pas dans la cupidité, ne me laisse pas, Seigneur, dans l'ignominie, ne me laisse pas dans l'adultère, ne me laisse pas dans la convoitise, ne me laisse pas, Seigneur, de quoi, dans l'addiction, Seigneur. Je te prie, mon Père, oh Dieu, manifeste de ta grâce ce soir, manifeste de ton amour ce soir. Mon Père, je viens ce soir et que tu me pardonnes. Pardonne-moi, Seigneur de gloire, Père, oh Dieu, ma façon d'agir, mon langage, Seigneur, oh Dieu. Je ne veux pas être sale devant ta présence. Je ne veux pas, Seigneur de gloire, Père, que la saleté puisse demeurer dans mon cœur. Je te prie ce soir, mon Père, enlève le péché dans ma vie. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne mon cœur ce soir, pardonne mon entendement. Pardonne, Seigneur de gloire, ma façon d'agir. Oh, je te prie ce soir, tel que je suis, je viens devant ta présence, je viens devant ta majesté. Pardonne mon cœur, toi qui pardonnes mieux, toi qui essuies les larmes, Seigneur, par ta compassion. Je te prie, tendre Père, oh Dieu de gloire, vois ma maison, vois mes enfants, vois ma famille, vois mon cœur, Seigneur. Enlève le péché, enlève les ordures, enlève la poubelle, enlève la saleté, enlève les transgressions. Oh, je te prie, mon Père, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Tel que je suis, je viens devant ta présence. Tel que je suis, je m'abandonne à toi. Oh, tendre Père, je ne veux pas être sale. Je ne veux pas être chassé, Seigneur, de la fête. Oh, que je ne manque d'habits. Je te prie ce soir, oh mon Père, et que je sois pardonné. Pardonne-moi, Seigneur. Je viens, Seigneur, décharger mes soucis. Je viens décharger mes peines, je viens décharger mes fautes, je viens décharger, Seigneur, mes transgressions devant ta présence, je viens décharger, Seigneur, mes péchés devant toi, ô Dieu, parce que toi seul qui peux réellement, Seigneur, me pardonner convenablement. Je te prie ce soir, pardonne mon cœur ce soir, pardonne ma vie ce matin, ce soir, dans le nom de Jésus, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi ce soir, dans le nom de Jésus, de maintenant et à jamais, tendre Père, et que ta miséricorde, Seigneur, puisse enlever le mal, le péché dans mon cœur, et que ta miséricorde, Seigneur, puisse parler à ma faveur, au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Au nom de Jésus, alléluia. Frères et sœurs, nous sommes en train de prier, nous sommes en train d'intercéder pour notre nuit, alléluia. Ne sois pas distrait, ne sois pas distrait, frères et sœurs, je vous en prie, ne soyez pas distrait, alléluia. Hosanna, 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 alléluia. Oh, le sang de Jésus, oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus me rend plus que vainqueur. Le sang, oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus me rend plus que vainqueur, me rend plus que vainqueur. Le sang de l'agneau, oh, le sang de Jésus, le sang, oh, le sang de Jésus, oh, le
sang de Jésus me rend plus que vainqueur. Alléluia. Frères et sœurs, nous allons demander que le sang de l'agneau puisse nettoyer nos cœurs. Le sang de l'agneau puisse purifier. Alléluia. Frères et sœurs, je vous ai toujours dit ceci, que quand tu laves tes assiettes, tu vas d'abord passer par l'eau. Après un moment donné, tu vas mettre le savon. Après avoir mis le savon, tu vas pouvoir mettre encore dans l'eau pour vraiment le resserrer bien, bien. Pour dire, alléluia, pour que tu enlèves réellement toute la saleté. De la même manière, frères et sœurs, le sang de l'agneau a une grande efficacité. Le sang de l'agneau, c'est le sang précieux. C'est le sang sans tache. C'est le sang qui n'a pas trouvé le péché. Alléluia. Le sang qui n'a pas commis le péché, en fait. Nous allons demander le sang de l'agneau, que le sang de l'agneau puisse nettoyer notre nuit. Que le sang de l'agneau puisse nettoyer notre sommeil. Que le sang de l'agneau puisse nettoyer notre cœur. Que le sang de l'agneau puisse nous nettoyer nos rêves. Que le sang de l'agneau puisse nous nettoyer corps et âme, esprit, dans le nom de Jésus. Demandons le sang de l'agneau, car c'est le sang de l'agneau qui prime dans nos vies. Car c'est le sang de l'agneau qui efface le péché. Car le sang de l'agneau qui efface les transgressions. La Bible déclare, sans l'effusion du sang, il n'y a point de pardon du péché. Alléluia. Hébreux chapitre 9 au verset 22. Frères et sœurs, nous allons prier le Seigneur. Alléluia, prions le Seigneur. Au nom de Jésus, demandons le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau ce soir. Le sang de l'agneau dans mon cœur. Père éternel, je viens ce soir pour demander le sang de l'agneau. Le sang qui a été coulé sur la croix de Golgotha. Je ne peux pas faire quoi que ce soit sans passer par le sang de l'agneau. C'est le sang de l'agneau qui nous donne réellement, alléluia, la force. C'est le sang de l'agneau qui enlève le péché dans nos vies. C'est le sang de l'agneau qui enlève, qui met le dégoût du péché dans notre cœur. C'est le sang de l'agneau qui met le dégoût de l'adultère dans notre corps. C'est le sang de l'agneau qui met le dégoût de l'impudicité dans notre vie. C'est le sang de l'agneau, ah, le sang précieux de Jésus. Lave nos cœurs, lave notre sommeil, lave nos cieux, purifie-nous ce soir, et que nous soyons nettoyés, et que nous soyons lavés, et que nous soyons purifiés, Seigneur. Je sais que lorsque nous sommes purifiés, nous sommes réellement sans tache ni ride. Oh, je t'en prie, mon Père, et que le sang de l'agneau, le sang qui a été coulé sur la croix de Golgotha, puisse nous nettoyer corps et âme, esprit, et que le sang précieux de Jésus puisse parler ce soir, puisse parler à notre faveur. Oh, je veux le sang, je veux le sang de l'agneau, je veux le sang de l'agneau, car Christ lui-même a dit, oh, prenez cette coupe, c'est est une alliance nouvelle, oh, de mon corps qui est répandu pour vous. C'est le sang de l'agneau, c'est le sang de l'agneau qui parle, c'est le sang de l'agneau qui justifie, c'est le sang de l'agneau qui purifie. Purifie mon cœur, purifie ma bouche, purifie mon être. Oh, tendre Père, je veux être lavé, lavé par le sang de l'agneau. Oh, nettoyé à l'intérieur de moi, nettoyé à l'extérieur de moi, et que mon sommeil, et que mon nuit, mes nuits, soient réellement purifiées par le sang de l'agneau, et que mes rêves soient purifiés par le sang de l'agneau. Oh, et que le temps de repos, et que cela soit purifié par le sang précieux de Jésus, et que le sang de l'agneau me lave, et que le sang de l'agneau me donne la victoire, et que le sang de l'agneau, oh, puisse parler à ma faveur de maintenant dans le nom de Jésus. Lave mon cœur, lave ma vie ce soir, lave mon attitude, lave mon entendement, nettoie mon cœur, nettoie ma bouche, nettoie mon esprit par le sang de l'agneau, par le sang de ton fils Jésus. Oh, je veux ce soir et que je sois lavé, et que je sois purifié, et que je sois sain et sauf, et que je sois sans tache ni ride. Lave mon cœur, lave mon âme, lave ma vie ce soir par le sang de l'agneau, par le sang précieux de Jésus. De maintenant et à jamais. Oh, je veux le sang. Je veux le sang dans mon corps. Je veux le sang dans la circulation de mon corps. Je veux le sang dans mes veines. Je veux le sang dans mes globules rouges et blancs. Je veux le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau puisse nettoyer ma bouche. Le sang de l'agneau puisse purifier ma nuit. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. De maintenant et à jamais. Lave-moi ce soir. Lave-moi ce soir. Et que je sois trouvé. Alléluia, grâce à tes yeux, et que je puisse être sanctifié
et que je sois plongé dans le bain du sang de l'agneau, dans le nom puissant de Jésus, de maintenant et à jamais, au nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or feu du fondeur. Oh, je n'ai qu'un désir, être saint, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. J'ai choisi d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Frères et sœurs, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons absolument rien. Nous allons inviter le Saint-Esprit dans cette nuit, alléluia, de contrôler, de ramener l'armée céleste. Oh my God. Tu vas dire, Saint-Esprit, ramène toute armée céleste, alléluia, à ma faveur, dans ma nuit, alléluia, et que je sois protégé. La sécurité divine me soit accordée dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, le Saint d'Israël, le Saint de Saints. Ô Saint-Esprit, nous te prions ce soir de ramener, alléluia, toute une armée céleste, de venir mettre la sécurité dans notre sommeil, dans notre nuit, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, toi qui intercèdes, intercède ce soir en amenant, oh, les anges protecteurs, en amenant la protection, la divinité de Dieu, la sécurité de Dieu à notre faveur, dans le nom puissant de Jésus, et que notre sommeil, et que notre rêve, et que notre nuit, et que notre temps de repos soit réellement sécurisé divinement au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui intercèdes, et c'est toi qui es le consolateur absolu. Saint-Esprit, nous t'invitons ce soir. Saint-Esprit, je veux ce soir que tu ramènes les anges, et que tu ramènes l'armée céleste, et que l'armée céleste puisse descendre dans notre vie, puisse descendre pour notre sommeil, et que les armées célestes puissent camper, et que les sentinelles d'en haut puissent descendre au nom puissant de Jésus, en nous donnant la sécurité divine, en nous protégeant puissamment au nom de Jésus, comme il est dit dans ta parole. Oh mon Père, tu te coucheras sans que personne ne te trouble. Je te prie, tendre Père, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, ramène, oh les anges, ramène, alléluia, oh l'armée céleste, puisse camper sur nous dans les noms puissants de Jésus, de maintenant et à jamais, et que notre âme soit gardée, et que notre corps soit gardé, et que notre esprit soit préservé au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, et que dans cette nuit, et que le Saint-Esprit puisse ordonner, puisse réellement régulariser, puisse contrôler, puisse prendre le dessus de toutes choses au nom puissant de Jésus, de maintenant et à jamais, de maintenant et à jamais, dans les noms de Jésus. Au nom puissant de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, ramène les soldats de Dieu, ramène, oh les anges, ange Gabriel, ange Michael, au nom puissant de Jésus, oh Saint-Esprit de Dieu, ramène, oh alléluia, la protection divine dans notre faveur, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, de maintenant et à jamais, parce que tu es Dieu, en le nom de Jésus. Amen, amen, amen.
Frères et sœurs, nous allons prier le Seigneur. Alléluia, la sécurité de Dieu, alléluia, est capitale, est primordiale. Alors tu vas prier le Seigneur. Alléluia, tu vas dire mon Père, alléluia. Tu vas dire mon Père, alors que je vais dormir, alors que je vais me prendre un temps de repos, je te prie ce soir d'envoyer, alléluia, ta protection, ta sécurité, ta ceinture. Frères et sœurs, nous sommes en train de demander la sécurité divine. Alléluia. Maintenant, tu vas dire à Dieu, tu vas dire mon Père, alors que je me tiens devant ta présence, alors que je veux encore aller dormir, je te prie ce soir de pouvoir sécuriser ma vie et de me donner la protection contre les mauvais rêves, la protection contre les cauchemars, au nom puissant de Jésus. Prions le Seigneur. Oui, tendre Père, alors que nous venons devant toi ce soir, mon Père, je te prie ce soir, donne-nous ta protection divine contre les cauchemars, contre les mauvais rêves, contre les attaques démoniaques sataniques au nom puissant de Jésus. Oh mon Père, je te prie ce soir, je te prie ce soir, et que lorsque je dors, je m'endors, oh que je sois en paix, et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, me protège au nom puissant de Jésus. Mon Père, je prie ce soir, ta protection, oh ta sécurité divine, oh Dieu Père, sur ma maison, dans mon âme, dans mon esprit, dans le nom puissant de Jésus. Mon Père, je te prie ce soir et que ta divinité, oh, se manifeste en me protégeant ma famille, moi et ma maison, moi et mes enfants, moi et ma femme, au nom puissant de Jésus, et que nous soyons gardés, et que nous soyons protégés, et que nous soyons sécurisés, car la Bible me dit, ah, l'Éternel ne sommeille ni ne dort. L'Éternel veille nuit et jour. L'Éternel voit toutes choses. Mon Père, je te prie ce soir et que personne ne pourra, Seigneur, ne pas nous nuire et que personne ne pourra nous tourmenter au nom puissant de Jésus. Car ta protection est désirée dans nos vies et que ta protection, Seigneur, soit palpable au nom puissant de Jésus. De maintenant et à jamais. De maintenant et à jamais. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Tu vas dire ce soir, alléluia. Mais bien-aimé dans le Seigneur, tu vas dire ce soir. Tu vas dire, mon Père, je te prie ce soir. Alléluia. Je te prie ce soir. Par ta plénitude, par ta puissance, alléluia, que mon visage soit réellement, alléluia, inaperçu au danger, inaperçu au mal, inaperçu, alléluia, aux attaques démoniaques sataniques dans le nom de Jésus, car il est écrit, plusieurs caresseront ton visage. Cela veut dire, les anges vont protéger, c'est-à-dire les ailes de Dieu, la protection de Dieu sur ton visage dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Oui, tendre Père, alors que nous venons ce soir, alors que nous prions ce soir, mon Père, je veux ce soir éternel, oh Dieu, que nos visages soient couverts et que nos visages soient protégés, Seigneur, au nom puissant de Jésus, contre les attaques démoniaques, contre le cauchemar, au nom puissant de Jésus. Je veux que nos visages soient réellement couverts, oh, par ta protection divine, par ta sécurité divine, dans le nom de Jésus. Mon Père, je te prie ce soir, viens ce soir, caresse nos visages. Caresse nos visages, enlevant tout ce qui ne sont pas de toi, enlevant tout ce qui est de Seigneur du diable, au nom puissant de Jésus. Protège-nous ce soir, dans le nom de Jésus, et que nous soyons, Seigneur de gloire, dans ta sécurité totale, dans ta sécurité divine, dans le nom de Jésus. Mon Père, je te prie ce soir, viens, commence à protéger, commence à mettre des protections, des barrages de protection dans nos vies, des barrages de protection dans notre vie, dans notre maison, dans notre sommeil, au nom puissant de Jésus. Mon Père, je te prie ce soir, oh, ton de paix, je prie ce soir, mais commence à mettre la sécurité dans nos vies, la sécurité dans nos vies, dans le nom de Jésus, dans cette nuit, et que nous puissions vivre, et que nous puissions sentir, oh, que ta sécurité est là, ta sécurité prime, au-dedans de toutes choses, au nom puissant de Jésus, de maintenant et à jamais, alléluia, au nom de Jésus, amen, amen, amen. Tu vas encore prier le Seigneur. Alléluia, tu vas dire ce soir, alléluia, mon Père, enlève les flèches, enlève les flèches, enlève la terreur,
Enlève la peste, alléluia, enlève la contagion dans cette nuit, dans le nom de Jésus, pour que notre nuit soit réellement douce et paisible, dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur, parce qu'il a dit, alléluia, tu ne craindras ni la terreur, alléluia, de la nuit. Prions le Seigneur. Oui, ton Père, je te prie ce soir d'enlever la terreur, je te prie ce soir d'enlever la flèche qui vole. Oh, je te prie ce soir d'enlever la peste, je te prie ce soir d'enlever la contagion au nom puissant de Jésus. Je te prie ce soir d'enlever, Seigneur, au Dieu de gloire, tout complot démoniaque, satanique, Seigneur. Oh Dieu, Père éternel de gloire. Oh, qui veut, Seigneur, gloire, Père. Oh Dieu, m'attaquer. Oh, que cela soit foudroyé et que cela soit neutralisé et que cela soit nul sans feu. Dans le nom de Jésus. Mon Père, commence à enlever la terreur de la nuit. Commence à enlever la flèche qui vole en plein jour. Commence à enlever la peste, oh, qui marche dans le ténèbre. Oh, je te prie, mon Père, manifeste-toi dans cette nuit, au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi dans le nom puissant de Jésus. Manifeste-toi ce soir, oh, ton Père, et que ma nuit, oh, soit réellement, Seigneur, sécurisée dans le nom de Jésus. Et que dans cette nuit, ah, que je puisse sentir ta présence, que l'Éternel est ma bannière, que l'Éternel est mon bouclier, que l'Éternel est mon ombre, et que l'Éternel est mon abri sûr. Oh, tendre Père, enlève la terreur, enlève la flèche, enlève, Seigneur de gloire, la peste. Oh, enlève la contagion, la maladie, Seigneur de gloire, au nom puissant de Jésus, dans cette nuit, et que nous puissions sentir ta plénitude, et que ta douveraineté, Seigneur de gloire, ta souveraineté, oh, se manifeste dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Mon Père, oh, commence à enlever la contagion, commence à enlever la peste, commence à enlever les flèches, commence à enlever les terreurs de la nuit, commence à enlever les cauchemars de la nuit, commence à enlever les fibromes de la nuit, commence à enlever la maladie de la nuit, commence à enlever, alléluia, les jetons sataniques de la nuit, commence à enlever les blocages, au nom puissant de Jésus, de maintenant et à jamais. Amen. Parce que tu es le roi de gloire, le Seigneur de Seigneur, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Mon Père, je te prie ce soir. Commence à enlever dans la vie de mes enfants. Commence à enlever dans la vie, Seigneur de gloire, Père de la tour de prière semeur. Dans la vie de ton peuple, Seigneur. Commence à enlever, Seigneur, oh Dieu. Alléluia. La peste, la flèche qui vole en plein jour. Je te prie ce soir, mon Père, la terreur de la nuit. Au nom puissant de Jésus. Oh, tendre Père, enlève. Écarte cela au nom puissant de Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi ce soir. Manifeste de ta grâce dans le nom puissant de Jésus. Manifeste-toi dans le nom puissant de Jésus. Parce que lorsque nous nous confions en toi, nous sommes sécurisés. Lorsque nous appelons, Seigneur, ta Shekinah, ta sécurité divine, oh, nous sommes protégés. Car c'est toi qui veilles sur nous. Tu ne sommeilles ni ne dors. Je te prie, mon Père, enlève la contagion, enlève l'épidémie, enlève, Seigneur, la maladie diabolique et satanique, au nom puissant de Jésus, dans cette nuit, ô tendre Père, et que nous soyons rassurés de ta présence, rassurés de ta sécurité, au nom de Jésus, de maintenant et à jamais, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Frères et sœurs, nous allons encore prier le Seigneur, alléluia. La Bible déclare, alléluia, je me couche et je m'endors en paix. Et que tu dors en paix ce soir. Alléluia, tu vas demander, alléluia, la couverture de Dieu, la couverture de Dieu. Que, frères et sœurs, certes, tu as ta couette à la maison. Certes, tu as ton drap à la maison. Mais laissez-moi te dire, la couette, la couverture de Dieu, alléluia, prime encore. La couverture de Dieu est réellement capable de pouvoir empêcher tout le mal. Alors, tu vas demander à Dieu ce soir, oh mon Père, alors que je vais dormir, Seigneur, je veux que je dors en paix. Alors, je te prie ce soir, mets la couverture divine sur moi. Mets la couverture divine sur moi, sur mon visage, sur mon corps, au nom
nom de Jésus. Enfin que Seigneur de gloire, tous ceux qui ne sont pas de toi, c'est-à-dire le mari de nuit, les femmes de nuit, puissent pas me tourmenter au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Mon Père, alors que je me tiens devant ta présence ce soir, alors que je suis à la porte de minuit, oh, je te prie, ton Père, de me couvrir de la couverture divine au nom puissant de Jésus et que je puisse posséder la couverture divine au nom de Jésus, afin que cela puisse empêcher les femmes de nuit, le mari de nuit, au nom puissant de Jésus, afin que cela puisse faire tomber tous les blocages démoniaques et sataniques, l'envoûtement de l'ennemi, au nom puissant de Jésus. Mon Père, je te prie ce soir, alors que je me tiens à la porte de minuit, je te prie ce soir de me couvrir de la couverture divine au nom puissant de Jésus. De maintenant et à jamais, manifeste-toi ce soir dans le nom de Jésus, et que mes enfants et que ma famille et que mon cœur et que tout ce qui est à moi soit couvert par la couverture divine au nom puissant de Jésus. Mon Père, je te prie ce soir et que ta couverture divine puisse, Seigneur le droit Père, alléluia, soit au-dessus de toutes choses dans le nom de Jésus, et que ta couverture, oh, me protège dans le nom de Jésus. Je veux, Seigneur, ta couverture divine ce soir au nom puissant de Jésus, de maintenant et à jamais, parce que tu es Dieu, le roi de gloire, le Seigneur de Seigneur. Alléluia, manifeste-toi ce soir dans le nom de Jésus, manifeste-toi ce soir au nom de Jésus. Seigneur, je déclare au Dieu de gloire que ta couverture, Seigneur de gloire, Père, puisse, Seigneur de gloire, Père, me protéger, Seigneur, pendant que je dois m'endormir, pendant que je dois, Seigneur de gloire, prendre le temps de repos, Seigneur, éternel Dieu, et que je le sois en sécurité dans le nom de Jésus. Alléluia, oh, alléluia, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Tu vas encore prier le Seigneur. Tu vas dire, mon Père, je veux que ta sécurité puisse dominer dans cette nuit et que ta sécurité divine puisse dominer dans cette nuit au nom de Jésus. Puisse dominer au nom de Jésus. Oh, dans chaque heure, dans chaque minute, au nom de Jésus. Et que ta sécurité puisse dominer au-dedans de ma vie, dans mon sommeil, oh, sur ma maison, dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Oui, ton Père, alors que je viens ce soir pour dire, je veux ce soir, éternel Dieu, et que ta sécurité domine dans cette nuit, domine sur mes rêves, domine sur mon sommeil, au nom puissant de Jésus. Mon Père, je te prie ce soir, oh, que ta sécurité domine, Seigneur de gloire, Père, oh Dieu, dans mon sommeil, domine, Seigneur de gloire, Père, dans mon temps de repos, au nom puissant de Jésus. Mon Père, Je te prie ce soir, oh Dieu. Ah, je veux, alléluia, ta sécurité puisse dominer. Lorsque ta sécurité domine, dépasse les caméras. Oh, dépasse la sentinelle qui est en train de surveiller la maison. Oh, je te prie ce soir, mon Père, et que ta sécurité puisse dominer sur ma santé, sur mon élan, oh, sur ma croissance, sur ma vie, au nom puissant de Jésus. Mon Père, et que je viens, Seigneur de gloire, Père, devant toi ce soir. Je veux ce soir et que sa sécurité divine me colle, Seigneur de gloire, Père. Oh Dieu de gloire, Père, dans ma vie, de me colle, Seigneur de gloire, dans le nom de Jésus. Et que je puisse sentir ta présence et que je sois couvert et que je sois inaperçu au mal, au danger, au nom puissant de Jésus. De maintenant et à jamais, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, tu vas encore prier le Seigneur, tu vas recommander, alléluia, tu vas dire, Père éternel, oriente chaque rêve de ma vie, oriente chaque rêve de mes enfants, oriente encore, alléluia, chaque révélation, chaque vision, et que toi-même tu sois le maître de ma vie dans le nom de Jésus, et que toi-même tu sois le maître de cette vision, et que toi-même tu sois le maître de ces rêves au nom de Jésus. Oriente mes rêves, alléluia, prions le Seigneur. Oui, tant de Père,
Père, je te prie ce soir, éternel Dieu de gloire, et que nos rêves soient réellement programmés par toi, et que nos rêves, Seigneur de gloire, soient préparés par toi, et que nos rêves soient envoyés par toi. Oh, sécurise nos rêves. Oh, prends le contrôle de nos rêves. Oh, envoie tes rêves à toi, oh, sur nous, Seigneur, et que nous puissions sentir et que nous puissions vivre tes rêves à toi, au nom de Jésus, et que nous puissions vivre, Seigneur, ta vision à toi. Oh, manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Père éternel Dieu, par le nom qui nous a été donné, par le nom de Jésus-Christ, nous te supplions ce soir et que nos rêves, oh, viennent que de toi, et que nos nuits, Seigneur de gloire, Père, oh Dieu, et que nous puissions, Seigneur de gloire, vivre, Seigneur, la révélation, Seigneur, de ta part, au nom puissant de Jésus, parce que tu parles tantôt d'une manière ou d'une autre. Nous te prions ce soir, mon Père, je te prie ce soir de ramener des beaux rêves, de ramener des beaux rêves au nom puissant de Jésus, et que nous puissions dormir en paix, et que la paix de Dieu nous soit donnée au nom puissant de Jésus. Mon Père, je t'en prie ce soir, et que nos nuits, Seigneur, soient réellement doux et paisibles. Oh, que nos rêves, Seigneur, viennent de toi. Oh, Dieu de gloire, tout ce que le complot démoniaque et satanique a été projeté, Seigneur, pour contrecarrer les rêves de Dieu, et que cela soit brisé, et que cela soit taillé en pièces, et que cela soit foudroyé au nom puissant de Jésus. Et nous prions ce soir, mon Père, et que nos rêves viennent que de toi, au nom puissant de Jésus, parce que tu es Dieu, dans le nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Frères et sœurs, nous allons mettre, alléluia, le feu. Alléluia, tu vas demander le mirail de feu tout autour de ton lit. Alléluia, tu vas demander le mirail de feu tout autour de ta maison. Tu vas demander le feu tout autour, alléluia, de ta chambre. Alléluia, que le mirail de feu puisse sécuriser, barricader, alléluia, oh, ta vie, au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Oui, tendre Père, alors que nous venons devant toi ce soir, nous te prions, Seigneur, que le mirail de feu tout autour de nous, le mirail de feu, Seigneur de gloire, dans notre Seigneur chambre, le mirail de feu, Seigneur, dans mon lit, le mirail de feu, Seigneur de gloire, Père, dans ma maison, le mirail de feu, Seigneur de gloire, Père, oh, la colonne de feu, le mirail de feu, Seigneur, tout autour de nous, hein, au nom puissant de Jésus, mon Père, oh, Dieu de gloire, Père, et que lorsque le sortir peut venir, Seigneur, qu'il soit brûlé, qu'il soit calciné, qu'il soit consumé, au nom puissant de Jésus, lorsque le cauchemar peut venir, et que cela soit foudroyé, et que cela soit brûlé au nom puissant de Jésus par le feu du Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus. Mon Père, et que la muraille de feu nous soit accordée, et que la muraille de feu nous soit donnée, et que la muraille de feu nous entoure au nom puissant de Jésus, afin que nous soyons, Seigneur, dans la sécurité totale au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Mon Père, je te prie ce soir, oh, tendre Père, manifeste-toi dans cette nuit, dans le nom de Jésus. J'en suis prié, rababa chayare de robocha, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, au nom de Jésus. Tu vas rendre gloire à Dieu ce soir, tu vas rendre gloire à Dieu pour sa protection divine. Nous devons croire qu'il est juste et fidèle, alléluia, pour exécuter sa parole. La Bible déclare, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel envoya sa parole, et sa parole les guérit, alléluia. Nous devons croire que la parole de Dieu est puissante, la parole de Dieu court avec une grande vitesse. Alléluia, nous allons rendre gloire à Dieu pour ce temps merveilleux. Prions le Seigneur. Éternel des armées, nous te bénissons ce soir, nous te rendons gloire, nous te bénissons parce que tu es le roi. Merci Père pour ta protection divine, merci Seigneur pour la sécurité, merci Père éternel pour ta présence, merci pour la colonne de feu, merci Seigneur pour de beaux rêves, Seigneur, merci Seigneur pour la paix, Seigneur, que tu mets dans notre cœur. Oh, que toute la gloire te soit rendue, Seigneur. Merci parce que tu as enlevé, Seigneur, la contagion, merci parce que tu as enlevé la peste, merci parce que tu as enlevé la flèche, merci
merci parce que tu as enlevé le terreur de la nuit, que toute la gloire te soit rendue dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous t'avons aussi prié avec action des grâces et nous te disons gloire et louange à ton nom, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, le roi de gloire, au nom de Jésus-Christ, nous t'avons aussi prié avec action des grâces. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Alléluia, je vais faire une petite prière, alléluia, pour d'autres personnes. Pour eux, ce n'est pas encore la nuit, c'est encore le jour, alléluia. Je vais prier pour eux aussi. Seigneur Dieu de gloire, merci pour ce temps merveilleux. Merci Père pour tes enfants, Seigneur, que tu nous as donnés. Merci pour la famille, Seigneur noble. Ô Dieu, la tour de prière semeur que tu nous donnes, Seigneur, ô Dieu, tous les jours. Béni soit ton nom, Seigneur, ô Dieu. Je prie, Seigneur, pour cela. Ô Dieu, dans leur continent, c'est encore le jour, Seigneur, je te prie, Seigneur, de sécuriser leur journée, de prie, Seigneur, de sécuriser, Seigneur, leurs heures. Ô Dieu, que la colonne de nuée le soit donnée, Seigneur de gloire, que la colonne de nuée le protège davantage dans le nom de Jésus. Éternel Dieu, garde-nous fidèles à toi parce que nous avons des prix à remporter. Nous avons des témoignages à faire et que nous puissions témoigner que l'Éternel Dieu est passé par nous. L'Éternel Dieu nous a visités. L'Éternel Dieu nous a fait du bien. L'Éternel Dieu manifeste de ta grâce et que cette nuit, Seigneur, nous procure de la paix, de la joie, de la victoire dans le nom de Jésus. Et que dans cette nuit, Seigneur de gloire, nous donne, Seigneur, la sécurité, Seigneur de gloire, paix. Ô Dieu, afin que nous soyons toujours, Seigneur, plus que vainqueurs. Parce qu'avec toi, nous sommes, ô Dieu de gloire, Père de majorité. Alléluia, nous sommes majoritaires. Avec toi, Seigneur, nous allons conquérir. Avec toi, nous allons aller de gloire en gloire. Avec toi, nous allons aller, Seigneur, de l'avant. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur. Bénis ton peuple, Seigneur. Garde-nous fidèles à toi, dans le nom de Jésus. Éternel Dieu, sécurise-nous, Seigneur. Ô Dieu, ôte le mal dans notre vie. Ôte le mal, Seigneur, tout autour de nous, Seigneur. Ôte le danger, Seigneur, car il est dit dans ta parole, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et les arrache réellement du danger. Je te prie, Seigneur, ô Dieu, garde-nous, Seigneur. À toi soit l'honneur et la gloire, dans le nom de Jésus. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse ce soir, dans le nom de Jésus, que le Seigneur vous garde. Je vous souhaite une excellente, glorieuse nuit dans la présence de notre Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce temps. Nous bénissons le Seigneur. Donc demain, c'est le vendredi. Demain matin, nous aurons la prière. Alléluia. Et le matin. Et aussi, nous aurons la prière à partir des 18h à l'église. Voilà, si vous ne connaissez pas l'adresse de l'église, je vous mets l'adresse. Waouh, que le Seigneur vous bénisse richement. Gloire à Dieu, je vous mets l'adresse. Voilà, rejoignez-nous à rue Henri Fernand Renault, zone de la Porte, Paris 91 100, à Corbeil-Essonnes. Que le Seigneur vous bénisse richement, richement. Donc nous sommes là. À partir de 17h pour les autres, et 18h pour les autres aussi. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et le dimanche, nous sommes là. Mais ce dimanche, nous aurons le culte de famille. Donc, nous aurons seulement un seul culte. Donc, venez à partir de 11h. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous pouvez venir avec de l'eau, si vous pouvez venir avec quoi que ce soit, ramenez soit des sopalins, ramenez frères et sœurs, si vous voulez ramener des oasis, si vous pouvez ramener, voilà, quelque chose que Dieu vous met à cœur, frères et sœurs, ramenez comme ça, on pourra partager ensemble. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Si vous pouvez aimer la vidéo, hein, l'Éternel Dieu ne manquera pas vous bénir. Je vous souhaite une excellente soirée dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et nous pensons aussi à ceux-là qui traversent des moments difficiles, que le Seigneur puisse vous fortifier davantage dans le nom de Jésus. Amen, amen. Que le Saint-Esprit puisse vraiment vous consoler et que le Seigneur Dieu puisse vous donner la force de tenir jusqu'au bout.
Que la paix du Seigneur soit avec vous, dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Wow, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, ciao, ciao, je vous souhaite une excellente soirée et bonne nuit. Et à demain, à partir de 4h15, que le Seigneur vous bénisse richement. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Au nom de Jésus. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Tour de Prière Semeur pour plus d'édification. Que Dieu vous bénisse.